Amiens 9e accueille Guingamp 16e. C'est le maintien qui se joue pour l'équipe bretonne. Des Guingampais qui n'ont perdu qu'une seule fois sur les 7 derniers matchs. 3 victoires et 3 nuls. C'est un peu mieux que plus tôt dans la saison, mais il manque encore quelque chose pour s'éloigner de la zone de relégation. Guingamp espère faire un coup sur la pelouse d'Amiens. Une formation amiénoise qui reste sur 2 nuls et une victoire après 2 défaites. Ça va donc un petit peu mieux pour les joueurs d'Oswald Tanchot. Première attaque en faveur de Guingamp. Les visiteurs sont tout de suite offensifs et marquent rapidement. 8 minutes suffisent à Guingamp pour mener à 1-0. Joli travail de Yannick Gomis pour servir Youssouf Mchangama. Le but du capitaine d'en avant Guingamp. C'est son premier de la saison. L'international comorien débute le match comme il faut. Le dégagement du gardien Damien Grégoire Couder. Il remplace l'habituel titulaire Régis Gürtner. Un long ballon qui arrive jusque sur ses attaquants. Mais Jason Papo manque la cible. Nouvelle chance d'égalisation pour Amiens. Sur ce centre, le ballon est légèrement dévié. Ça file devant le but breton. Ça aurait pu être un but contre son camp de Philippe Sampaio. Les joueurs de Fred Bompard tiennent le score. Et ils espèrent doubler la mise sur ce centre. C'est repoussé, mais la belle reprise de Youssouf Mchangama, décidément inspiré. 33e minute, 2-0 pour Guingamp. Le doublé pour Mchangama. Il avait mis cette saison un but en Coupe de France et un but avec sa sélection, les Sélacantes des Comores. Mais jamais encore en Ligue 2 BKT. En voici deux d'un seul coup pour permettre un bon résultat pour les Bretons. 2-0, c'est le score à la mi-temps. Amiens est peut-être émoussé car les Amiénois ont joué un match en retard en semaine. Un score d'un but partout sur le terrain de Dunkerque. Guingamp en profite donc. Amiens va essayer de revenir. Les deux formations avaient fait match nul en Bretagne lorsqu'elles s'étaient rencontrées plus tôt dans la saison. Un score de 2 partout. Mais Guingamp semble avoir le match en main. D'autant plus que Guingamp continue à attaquer et à marquer. La passe de Piri pour Franci Pierrot à la 62e minute. 3-0 pour Guingamp. 5e but de la saison pour Pierrot, bien lancé par l'Ebogang Piri. Guingamp se détache et est en train de faire une excellente opération. Amiens a 3 buts de retard. C'est trop tard pour les Amiénois. Même si ici, il y a cet incroyable sauvetage d'Enzo Basilio pour permettre de conserver le score à 3-0. Le clean sheet grâce à Enzo Basilio. Guingamp s'impose largement 3-0 à Amiens et passe de la 16e à la 13e place.